Donc, nous sommes au Laos, exactement à Laos School Volunteer English Classes, un endroit où, un homestay où nous donnons des cours d'anglais contre la chambre, voilà, sur l'île de Dong Kong Island. Voici, je vous fais une petite visite guidée, voici la cuisine. Donc voilà, c'est la cuisine d'ici. Hein. Voilà, avec des verres qui ne doivent pas servir souvent a priori. Voilà. La cuisine, la vaisselle, le robinet, avec vue imprenable sur les bananiers et le Mekong. Bon, faut pas être trop regardant sur l'hygiène, hein, parce que sinon on mange plus rien. Déjà qu'on mange pas grand chose. Alors, ensuite, ici on arrive sur la première salle de classe. Les enfants travaillent, mais sinon ce sont les petits Laotiens qui viennent l'après-midi pour une heure de classe. De l'autre côté, il y a aussi une autre classe, là-bas, là où il y a les crayons de couleur. Et puis ici, eh bien, il y a notre chambre. Ah, ça s'appelle Sabaidi Dong Kong. Donc nous avons droit à la suite. Pourquoi la suite? Elle se compose d'une chambre. Une chambre avec deux lits doubles, moustiquaires, murs, fenêtres, je précise, puisque nous sommes les seuls à avoir des fenêtres à nos. Enfin des vitres à nos fenêtres, et les autres n'ont que des bouts de tissu. Bon, les murs ne sont pas jusqu'au plafond. Peut-être que c'est pour faire l'aération, on ne sait pas trop. Voilà, ici on donne directement sur les toilettes d'à côté, donc je vous laisse imaginer l'odeur qui règne le soir lorsque tout le monde y va. C'est formidable. Et donc pourquoi suite? Parce que nous avons notre propre cabinet de toilettes. Oui, oui, alors nous avons une belle vue aussi sur les bananiers. Voilà, je vous remonte la chambre un petit coup de une petite vue d'ensemble. Voilà. Et donc voilà notre cabinet de toilettes. Voilà. Donc voilà les toilettes et puis la douche. Donc bon. A priori, on est plus propre quand on en sort que quand on en rentre, quand on y rentre. Mais enfin, c'est pas encore vérifié. Bon, ben écoutez, on vous embrasse et puis voilà, quand vous prendrez une douche et quand vous irez aux toilettes avec du papier toilette, ben, vous penserez à nous.